Répétez.
Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 22 novembre 2023, il est 20h05 et ce soir nous allons jouer à Fall Guys durant toute la soirée. On va commencer avec les maps mises en avant. Il y en a 8 parce que j'ai pas fait celle de la semaine dernière, donc il y en a 4 de mercredi dernier, enfin 4 de mardi dernier d'ailleurs je crois, et 4 de ce mardi. Et après on fera les niveaux des viewers si vous en avez. N'hésitez pas à balancer les codes dans le chat, évitez de le faire pendant que je suis en train de jouer parce que sinon il y a plus de chances que je les vois pas et que je les note pas. Mais en dehors de ça, tant que je suis pas en train de jouer, vous pouvez potentiellement les balancer. Voilà, quand je suis en train de spec les autres joueurs, etc. N'hésitez pas à les balancer dès maintenant, je peux commencer à établir la liste immédiatement. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Vous êtes en forme. Tout ça, tout ça. Ok. On n'a pas envie de lancer le jeu quand on entend cette musique, mais quel banger! Ouais, la journée était compliquée pour moi aussi, le Grand 09. Bon courage. Incroyable cette musique, j'aime trop. En fait, on dirait trop, genre, vraiment, cette musique, on dirait trop, genre, ça met un énorme taquet au genre musique de variété française des années 90-2000, je sais pas comment expliquer. Il y a trop cette vibe de musique un peu variété, etc., mais en 10 fois plus stylée. Incroyable. Ça vous fait pas penser à des musiques françaises des années 90-2000, genre des, je sais pas moi, des Hélène Ségara, des Natacha Saint-Pierre, ce genre de trucs, vous voyez? Des Lara Fabian et tout, quoi. Je trouve qu'il y a trop cette vibe un peu. Mon Mario RPG est toujours pas arrivé, j'ai les morts trop envie d'y jouer, putain. Il y a plein de problèmes en livraison, en ce moment. Ça fait très Pokémon, vous trouvez? Putain, ouais, j'ai pas trop la ref, mais après j'ai pas fait noir et blanc. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Trop hâte qu'ils sortent le remake d'ailleurs. Attendez deux secondes, j'arrive. Hop 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 hop. Elle est où ma Sunfall Guys? Oh, elle est loin. Tac. J'ai pas allumé ma manette. Hop. Pam 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 paladala. Oui, écoutez, on va commencer par les plus récentes. Work and travel. Bon, alors je note vos maps, mais ce sera à partir de. Quand j'aurai terminé ces 8 maps là. Ah, merci Miral Ball, c'est très gentil. Très content de t'avoir fait découvrir ces bangers. Hey, Magikarp, tu sais que les miniatures, les majuscules, elles sont interdites sur le live. D'abuser des majuscules, c'est interdit. Et qu'on pourrait te ban def. Ah! Je savais pas, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Frère, c'est trop chiant, faut des... J'arrive pas à prendre assez de hauteur en fait. Là, voilà. Oui, bon là, oui, mais non. En fait, faut arriver de là, voilà. C'est quoi le truc avec le cube là? Ça a l'air chiant de fou.
Vas-y, j'ai rien capté. Il y a des boutons de partout. Depuis quand dans un train il y a autant de boutons? C'est quoi ça? Ah ouais. Ah ouais, mortel. J'ai la flemme de faire les trucs avec les cubes, hein, je le dis cash. Ouais, j'aurais pas assez d'élan là. Pour ce saut là, c'est impossible. Ouais, non. On va être obligé de faire leurs trucs avec les cubes là. T'inquiète, Exaïd il viendra tout à l'heure, Clément, t'inquiète, t'inquiète. Bien sûr, il va venir faire. Comme ça, comme shipper. Ah, ils aiment trop mettre des maps avec des cubes et tout. Hein. Ils aiment trop ça. C'est une dinguerie. Je pense qu'il doit y avoir une autre tech. Ça peut pas être aussi rompiche. Je vois pas ce que c'est l'autre tech, s'il y en avait une. Ah ouais, il y avait une autre tech. Bon, ouais, map bouton quoi, map bouton. On en pense quoi des maps boutons dans le chat en vrai? Ce jeu Motivate, c'est le jeu des pigeons, le jeu des pigeons. Non, j'ai une pote qui fait du forcing pour que j'y joue, mais la flemme de fou. Je vois ce que c'est. En vrai, il est assez cool, fun. Bah, j'ai vu ma pote y jouer et tout. Ça a l'air sympa, mais ça... Je sais pas, ça me tente pas plus que ça, j'avoue. Ah, je serais pas le seul à faire à être qualifié. On est un deuxième qualifié.
Des candidatures de quoi, Magikarp? J'ai pas suivi. Ok, la deuxième, Black and White, c'est parti. Ah mais il y a pas de, non mais pour la modération il y a pas de candidature, c'est nous qui choisissons directement, mais on fait pas des systèmes de candidature ou quoi. Elle est trop stylée la map pour l'instant. Mais comment c'est possible d'avoir ces couleurs là? C'est... Ouais, c'est le mode, oui. Trop stylé la map, bravo. Map relativement simple et mais hyper sympathique. Très très belle, bravo. J'adore. Pam pam pam, pa 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 pam. La fin est un peu dure en vrai, mais bon, il y a un checkpoint pas longtemps avant, donc ça va. Boum, 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 boum. Il va tomber ici, 100%. Oh, bien, 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 bien. OMG, alors peut-être. Ah. OMG, la dingue. Oh, la masterclass. Ils ont rajouté une émission où tu peux jouer aux maps créatives en équipe de 4. Ouais, j'ai vu. Dommage, il n'y a pas ça pour les équipes de 2. Mais j'ai vu, j'ai vu. On verra avec Exa s'il veut en faire une ou pas. Enfin, par contre, c'est long, hein. Pour l'instant, personne n'a des codes de niveau à balancer, on est d'accord. J'ai noté que... Kargan. J'ai noté que Kargan pour l'instant comme niveau. Twitch qui veut pas fonctionner sur la Switch. Moi, perso, j'avais déjà des problèmes genre il y a plusieurs années.
Twitch sur la Switch, ça a toujours été un bourbier. Hein. Il n'y a plus que lui, l'autre a quitté. Mais par contre, vas-y, ça fait pas 10 minutes là encore? Ça y est, enfin. Oh, oh, il va le passer, oh, il va le passer sur le gong. Allez, c'est maintenant. Bravo. Ok, la troisième, c'est parti. Oh putain, ces coups de barre, l'enfer. Ah, ça va être très détente ce soir. Hein. Ok. Salut Canartichaud. Attends, ça a l'air d'être une map de pro, ça, non? Yes. Je suis à 3D dès la première frame. Hein. Wow, ok, c'est une map de tryharder, j'ai l'impression. Hein. Putain, il m'a int l'autre. Timing pas facile sur cette dernière plateforme. Bah vas-y. Non, lui il cherche à me pousser, par contre c'est trop grave. Ah ouais? On peut mettre des plateformes de cette taille-là dans le jeu? Ah ouais? Faut croire, hein, écoutez. Doudout. Merde. Ok, en vrai elle est chouette. Elle est chouette, elle est vraiment dure, mais elle est pas infaisable. Bon bah non, on va devoir attendre maintenant.
Je pense que je vais attendre plus de 5 minutes là, Magikarp. J'ai mis moins de 5 minutes quand même pour finir, je dirais, en vrai. Sinon, ils ont aussi remplacé le truc de Digi par un mode similaire, mais où il y a seulement 50% de qualifiés. Et c'est qui évite d'attendre les gens trop longtemps, c'est cool. Ah, d'accord. Mais c'est toujours une seule manche, par contre, Miral Ball. Moi, je trouve ça quand même dingue qu'on en arrive à... Je sais pas combien de mois du mode créatif. Genre plus de 6 mois, je pense. Ouais, bien plus de 6 mois. Et qu'on ait toujours pas des émissions, en fait, avec des manches créatives. Je veux dire, des émissions qui ne se constituent pas de une manche créative et créative, et après c'est la fin. Là, pour l'instant, il y a des manches... Enfin, il y a des émissions avec plusieurs manches créatives, mais ils peuvent en mettre qu'une seule. Oh, dommage. Mais c'est pas le même man qu'avant. Non, 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 c'est pas ça, mon pseudo. Ouais, Crustacé Coriace, pas si Coriace, hein. Si vous voulez mon avis. Putain, mais ils sont toujours tous les deux. Première épreuve. En vrai, c'est la plus dure, la première phase, je pense. C'est ce que toute la commu Fall Guys demande, mais pas sûr que ça arrive un jour. Pourquoi t'es pessimiste? Enfin, pourquoi tu dis pas sûr que ça arrive un jour? Moi, ça me paraît tellement évident. Et aussi de pouvoir créer ses propres playlists avec plusieurs émissions dedans. Pour toi, c'est pas acquis que même si ça prend du temps, ça y sera. Parce que sinon, c'est vraiment tuer le jeu, quoi. Enfin, tuer le jeu, peut-être pas, mais... Le freiner, quoi, disons, je pense. Ça me paraît tellement improbable que ça arrive pas, en fait. Je pense que c'est techniquement pas si dur à mettre en place. Peut-être une question de stockage aussi, bah ça change quoi? Les niveaux ils sont sur les serveurs, hein, ça modifie pas la quantité de stockage en fait. Les niveaux ils existent déjà, ils sont déjà, n'importe qui fait un niveau, même un niveau complètement à chier, est stocké déjà. Dommage. Ah, moi j'y crois quand même, hein. J'ai envie d'y croire. Les playlists, tu dois les enregistrer aussi, même si comparé à un niveau c'est zéro place. Bah c'est ça, c'est que c'est vraiment... C'est des trucs, enfin vraiment ça pèse 1 kilo octet quoi, vraiment. Je pense que la coordonnée de un bloc que tu places dans le mode créatif, ça pèse plus que de... que une playlist, en vrai. Non, ou alors il pourrait juste mettre l'écran de fin aussi, Magikarp, hein, en vrai. Tant qu'à faire. Ok, la quatrième qui est sortie, enfin qu'ils ont mis en avant hier. Cyber Jam. C'est les jeunes avec Macron, hein, ils sont vraiment dans le cyber de fou, quoi. Ok, on va voir ça tout de suite. Je continue à travailler sur ma prochaine vague de map, mais c'est long. Mais là j'en ai 4 qui sont finis. Mais c'est pas ce sera pas ma vague préférée, alors que c'est sûrement celle sur laquelle j'aurais mis le plus de temps. Mais là, il me reste une map entière à faire. Et vu la qualité des autres... Putain, pourquoi il s'est retourné mon perso? Vu la qualité des autres... J'aimerais bien en faire une vraiment bien. Ouais... C'est nul l'endroit où on est allé, c'est ça, non? Ah non. Non, c'est bien.
F. Oui, d'accord, on fait ça là. Ouais, bah je pense. Hein. Et ensuite. Peut-être que le fait d'avoir perdu du temps là-dessus. Non, c'est bon. Ok, on va essayer de pas scrouter ici, ce serait pas mal parce que sinon je crois qu'il faut quand même bien revenir en arrière. Obligé de sauter là-dessus là. Ok. Ah ouais. Ok. Trop bizarre cette map. Un peu tricky hein, comme map. On peut s'accrocher à ça? Merde. On dirait que non, on dirait qu'on peut pas. J'ai pas tout capté mais bravo. Ah, tout le monde a quitté, ah ouais. Ok. Bon, les 4 de la semaine dernière, c'est parti. Salut, petit Matt. Ah, c'était un seul gagnant? J'ai gagné quoi? J'ai gagné une couronne ou j'ai juste gagné quelques fragments? Je savais pas qu'il y avait des maps à un seul gagnant où tu... Ça faisait longtemps qu'ils en avaient pas mis dans les maps mises en avant. Attends, on gagne une couronne à chaque fois là sur la map que je viens de faire? Ah ouais? Ah, c'est le retour des farming couronnes comme ça là? Ah ouais? Ok, ok. Waouh. Stylé. Putain, sale chien! Il m'a poussé! Oh vas-y, casse les couilles. J'étais en full top 1. Ah ouais, ça passe là. Ah ouais. Woo!
faut aller où après? Là. Mais vas-y, franchement, j'en ai marre des gens là. Il y avait des maps beaucoup plus simples hein, pour farmer les couronnes hein, à une époque. Il y a une map, je la faisais tout le temps pour farmer des couronnes. Genre, c'était une map avec plein de tapis roulants. Et je saurais même plus expliquer ce que c'était exactement. C'était une map avec quelques ventilos et beaucoup de tapis roulants. Il y a des moments où il fallait sauter par-dessus des sucettes ou un truc comme ça. Quoi lui? Il y a son daron qui l'a appelé pour manger ou c'est comment? Ah bah non, il a bougé. Il y a un temps limite, ouais, le max qu'il y a sur les manches c'est 10 minutes. J'ai l'impression que quasiment toutes les manches qui sont mises en avant par le jeu c'est des manches de avec un chrono de 10 minutes, ouais. Mais Marwan, moi à un moment il y avait une map que je trouvais trop simple où c'était pendant ce truc des 45 fragments bonus là. Et c'était une manche, un truc en une seule manche qui rapportait une couronne et franchement, tu farmais tellement vite. Pour l'instant, j'ai fait top 1 sur toutes les maps. Ouais, c'est long, hein. C'est... Ouais, j'avoue, en fait, c'est trop chiant, comme on le disait. On faisait déjà la réflexion que, en fait, quand t'as terminé une manche comme ça, tu devrais pouvoir quitter instantanément parce que le résultat des autres va pas influer sur tes récompenses en plus. Donc, c'est un peu du trolling en vrai. Faudrait vraiment que tu puisses quitter et récupérer tes récompenses, quoi. Parce que là, si je fais genre start, quitter. Tu es qualifié pour la manche suivante. Si tu quittes maintenant, tu renonceras à tes récompenses. Quitter quand même. Voilà. Ce qui est trop nul. Parce que, de toute façon, mes récompenses, là, la manche, elle est finie. Il y a pas de manche après. Il y a pas de manche après. Ok, on va faire la sixième.
fait des signalements abusifs sur des gens nuls pour les kicks. Ça marche pas comme ça, malheureusement. Tiens, celle-là, elle me dit un truc, mais peut-être c'est juste une thématique qui revient souvent, les cascades et ce genre de trucs. Les chutes du Niagara. Et cette manche suivante, elle est avec nous dans la pièce en ce moment même. Ouais, c'est ça. Excusez-moi. Non, Magikarp, mais en tout cas, les vrais signalements ne fonctionnent pas souvent. C'est une semi-coop, ça, c'est la map d'un pote. Oh non, pas de la coop. Je veux pas coop avec des gens dans ce jeu. Et du coup, là, ils vont juste me fumer, en fait. Ouais, ok, j'y vais. Bah, du coup, appuie. Lui, il veut juste me niquer, non? Hop là, allez. Oh, comment je l'ai niqué? Il doit avoir trop le seum. Mais c'est quoi cette merde? Oh, je l'ai tellement niqué. Il a voulu faire haha, je suis toxique, machin, je l'ai baisé de fou. Oh, let's go. Eh, mais attends, là, ça sert à quoi? Ah, ouais, ok. Vengeance. En vrai, y a personne. Personne n'a réussi à passer, en fait. Il est où le truc à activer là? Ah là. Ping 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 ping. Le problème, c'est que tu sais pas à l'avance de quel côté est le cube. En fait, j'ai l'impression que le cube il est toujours du côté droite. Pam 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 pam. Ah merde, on pouvait passer par là. Ouais, ça va en vrai. C'est pas mal, c'est pas vrai. En fait, ça va, c'est pas réellement de la coop. Mais j'avais pas compris le tour 1. J'ai juste baisé le gars qui a essayé de me niquer. J'étais très fier. Berlin. Ok. Voyons voir. À tout à l'heure, Clément.
Mais vas-y. Ah là là, vraiment, très très souvent quand je prends du retard, c'est à cause des autres. Hein. Il pouvait pas choisir son propre truc, évidemment. Bon, et la première map qu'on fera pas top 1, je pense. J'ai grid un peu là. Mais il y a du mucus sur le sol à Berlin ou... Ah merde, ok. CFF. C'est bon. Ah ouais, on peut marcher là. J'avais hâte. Peut marcher ici. Bref. On va quand même pas se passer du top 1. Salut Rebota. Et si ça avait été lui le président, est-ce qu'on ne serait pas déjà sorti de la crise? Est-ce que l'Europe ne serait pas relancée sur un couple franco-allemand dynamisé? Est-ce que finalement ça n'irait pas beaucoup mieux? Merci à Eulalie, merci beaucoup pour ton 44e mois. Apparemment, il faut viser la présidence, hein, apparemment. Voilà. Pour viser la présidence, la France irait mieux. J'ai aucune idée d'à propos de qui il disait ça, je m'en souviens pas. On fait la dernière map et ensuite Exaïd nous rejoindra pour faire vos niveaux. D'ailleurs je rappelle que vous pouvez proposer vos niveaux dans le chat en balançant le code de vos niveaux à partir de... Enfin voilà, dès maintenant vous pouvez le faire. Et je me ferai un plaisir de les noter pour qu'on les fasse. Pour l'instant il n'y a qu'un seul niveau donc ça... On va vite être à court de niveau. Bon, de toute façon, après, avec Exa, on pourra faire du duo, quoi. Mais... J'espère que tu t'es suffisamment amusé, en tout cas, parce que ça risque de pas être le cas sur la prochaine. Oh, merde. Ça risque pas d'être le cas sur la prochaine, carrément. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Ça marche, Miralbol, je note ça. Ah, il y a le grand 09 qui a balancé une map, j'ai pas compris le délire, mais vas-y, tranquille, je la note. Hop. Miralbol, tac.
Ok. Alors... Ah, il y a vraiment une couronne à gagner ici. Et là aussi, il y a une couronne à gagner. Ok. Oh, le titre. Ok. Ça va bouger de sens tout le temps, c'est ça le truc? Oui. Oui. Ah le bâtard. Ah le bâtard. Je refais. Mais ça va, elle est chouette en fait. Ah ça s'est joué à rien. Ouais, j'aime bien la map. Non, par contre on s'est fait fumer juste devant la ligne d'arrivée, c'est trop grave. Mais du coup, en vrai, le truc, c'est que dans ce genre de map, du coup, tu te retrouves face à des farmeurs de couronne. Et du coup, bah, le niveau est beaucoup plus élevé que sur les autres. Il y a juste un pattern à prendre, en fait. Ah ouais ? Moi, je croyais que c'était de l'aléatoire. Je sais comment générer de l'aléatoire dans le jeu pour ce genre de tapis. Donc oui, effectivement, en fait, du coup, il y a un pattern à apprendre, effectivement. Ouais, bah je pense que c'est FF. Ah ! Ah ouais, bah y a quelqu'un qui connaissait le pattern, là, par exemple. Ouais, du coup, ouais, d'accord. Mais c'est le même, en fait, en plus, non? C'est juste le même qui va farmer en boucle les couronnes. Du coup, tant que je relance direct, il va être dans la même room que moi, non? Ah, c'est... Alors, en vrai, j'étais en mode... L'idée est trop bien. J'étais en mode, la map est trop bien. Mais si c'est un pattern fixe, c'est de la merde. Pas dur pourtant de générer un pattern aléatoire. Il y a juste à faire tomber un cube sur une tranche et de mettre un bouton de chaque côté en gros. Merde. Ma vue, ouais, il y en a plein, ils ont les patterns quoi. Après, ça va dépendre de où tu démarres aussi, en vrai, il y a un monde où juste, bah, t'es baisé, hein, si tu démarres pas au bon endroit. Vas-y, on va jouer pattern. Hein. On va jouer pattern. Faut qu'on arrive à trouver un début qui nous convient.
Du coup, je sais pas, genre au début, là, la casse pile en face de moi. Elle... Ah putain. Ouais, non, je connais pas. Ouais, non, mais pff, ouais, c'est le problème, c'est vraiment que. Tant que j'ai pas la méta. Mais c'est le même encore. Ouais. Il y a juste quelqu'un qui ferme les couronnes, quoi. Je vais voir s'il est au début de la prochaine manche. J'essaierai de le suivre. Ouais. Le diablotin aussi était déjà là. Il ressemble à quoi le diablotin? Je le vois pas celui qui nous intéresse. Non, lui il connaît rien. Lui il a l'air de connaître lui. J'ai pas suivi. Merde, bah c'est FF. Non, lui on l'avait pas vu encore. Il y a l'air d'y avoir un double saut intéressant à un endroit. Mais ouais, du coup, le fait de qu'il y ait un chemin à prendre par cœur, ouais, ça a vraiment l'air d'être un pattern d'après ce que... Enfin, vu comment ça trace à chaque fois, je pense que oui, hein. Je pense qu'il y a un pattern. Ah putain, le saut sur le côté qui passe pas par contre. Putain, mais j'arrive plus à résister à la force des plaques. Trop chiant. Ah dommage. Le problème, c'est que des fois, il y en a qui rechangent tellement vite. Putain ! Ah, dommage. Ouais, ça change trop vite des fois. Putain, ça a double changé, c'est perdu. Ah. Ouais, je pense que celle du milieu vers la fin, elle est pas ouf. Peut-être t'as en visé une autre.
Bon, je vais retenter encore, mais bon, c'est dommage, j'ai pas saisi ma chance. J'étais tombé contre des gens un peu moins chauds. Bon. Ouais, les doubles ouais, d'accord. Les doubles changements comme ça, je kiffe pas trop. Ouais, j'ai pas vu suffisamment tôt qu'il y avait un dragon doré, parce que je savais pas que... Ouais, faut que j'arrive à repérer quelqu'un éventuellement. J'ai à peu près compris ce qu'il a fait, mais vite fait. T'as d'être à peu près au milieu, puis à gauche. Je suis même pas sûr. Milieu, puis à droite, pardon. Donc là je suis baisé. Ouais, déjà il y a encore le dragon doré. Ah, lui il arrive à avancer super vite. Ouais. J'hésite même à la rage kit en vrai, hein, tellement c'est juste des gens qui spamment la méta. On va réessayer. Putain, mais sérieux, j'ai trop envie de la modifier quoi pour créer une map pareille mais où il y a pas de pattern fixe. T'as trouvé une idée pour ta prochaine vague de map alors, ouais. Ouais, j'avoue, parce que celle-là, elle est sortie il y a 8 jours en fait. Fini.
Bon, on y refait 2-3 tentatives, mais bon, précis, efficace, je promets pas de rester dessus si j'y arrive pas, quoi. Merci Shizu pour ton Prime, bienvenue dans ton troisième mois, yippé, merci beaucoup. Faut commencer au milieu. Allez. Bon bah je vais tenter sur la droite hein. C'est déjà mort, je suis dégoûté. Ah, bravo Sébastien. Ah mais moi pour moi Marwan la map elle était avec les patterns aléatoires. Pour ça j'étais en mode ça va, elle est cool. Mais en fait, le fait que ce soit des patterns fixes, ça casse tout le côté intéressant d'une map comme ça, je trouve. Ce qui est bien, c'est le côté improvisation, un peu, je trouve. Ça pourrait être une idée d'en faire une un peu dans ce style-là, mais... Faut voir, parce qu'en vrai, ça coûte... Moi, j'ai une idée, mais ça coûterait un peu plus cher, déjà. Parce que là, les plaques, c'est des plaques de 3, j'ai l'impression. C'est des plaques de 3 par tour 3 qui sont collées avec des sauts une fois de temps en temps. Ouais. Ok, bah là, je me suis gouré au début parce que je connaissais pas. Non, du coup, c'est plutôt à gauche, là. Des fois aussi, j'ai l'impression que tu peux pas résister au virage. Ouais, encore quelqu'un qui connaissait par cœur. C'était plus à gauche que ça. Je suis mauvais en plus pour retenir. Ouais, mais 2000 de... En fait, 2000 de budget pour les tapis roulants, ça va, mais pour les boutons, ça va vite. Si tu veux vraiment faire un truc aléatoire, etc., faut beaucoup de boutons. Et je sais pas combien tu peux faire de connexions par bouton en plus, mais je crois que c'est limité hein, quand même. Comment il a réussi à faire ça? Ouais, là par exemple, j'arrive pas à résister quand il se passe ce genre de truc. Bon, vas-y, allez, je la rage quitte. Elle me casse les couilles. Elle est pas fun à cause du fait que ce soit pas aléatoire. Allez, on appelle Exaïd et on va faire vos maps. On va peut-être pouvoir en refaire une le temps qu'il arrive. Bon, vas-y, je relance, il est pas là. Ah si, il est là. Merde, je viens de lancer, c'est pas grave, ça va aller vite. Salut! Oui, allez. Bonsoir. Bonjour. Du coup je m'installe. Vas-y, prends ton temps en fait, je refais une vite fait mais il y en a pour 30 secondes.
Non mais en fait j'avais une map, je pense, la dernière je pensais qu'elle était sympa et en fait c'est un truc à pattern fixe et tu peux gagner une couronne. Du coup les gens ils ont tryhard de fou. Mais j'aurais bien aimé la terminer en top 1 une fois mais j'y arrive même pas. Ouais, il y en avait des comme ça aussi vers le début, j'en souviens. Ouais, ouais, les ouais. Gens qui tryhardaient les maps couronne. Bah là c'est ça. Ok, on est que 3. Très très low. Bonsoir tous les gens dans le chat. Écoutez. C'est loose. Je pense, ouais, quand même. Oh là là, ouais, je suis trop à chier. Je vais faire mes emplettes en attendant. Fais donc. Ouais, quelqu'un qui a réussi, putain, c'est encore le même. Ok, je t'invite. Ah bah non, je t'invite pas, faudra que je te balance le code. Si on est dans la même room, ça me met pas automatiquement. Non, je crois pas. Bon, on peut essayer. De quoi? Tu veux d'abord que je t'invite et ensuite je crée? Ouais. Voir si ça marche. Vas-y, mais je crois vraiment pas, hein. J'ai jamais vu ça. Ah ouais? Ouais. Vas-y, je t'ai invité, là. Merci Mu pour le raid. Coucou à tous. Coucou. Tac. Voyons voir. Alors. Faut que je clique sur changer d'émission. Émission personnalisée hébergée. Oui. Bah voilà, t'es pas dedans, hein. Ah oui, ça, c'est ma kick du groupe. Bah. Oui. Merde, j'ai affiché le code. Faut que tu te. En vrai, je pense que ça ira, mais. C'est quoi? C'est 9JPGV. 9JPGV. Merde, y'a une majuscule à mettre ou pas? Je sais pas. Y'a pas marqué, c'est pas spécifié. J'ai pas le. C'est en majuscule ou pas le code? Oui, je pense. Oui, oui, oui. J'ai jamais vu qu'il y avait des histoires de majuscules et de minuscules, mais. C'est bon. J'espère que la première map, il y aura assez de place. Mais ouais, aussi. C'est bon, c'est 40. Vas-y, on va lancer, puis les gens y rejoindront au fur et à mesure. Allez, on fait la map de Kargan, donc, pour commencer. Ensuite, il y aura le Grand 09, ensuite Miralbol et ensuite Lucifera. Je vais tester un nouveau skin. OMG, la dingue. J'ai vu le skin Among Us dans la boutique et je me suis dit, oh, je le prendrais bien. Et je me suis rendu compte que je l'avais déjà. Ah. Cool, je vois si c'est marrant ou pas. Si ça me fait rire. Dommage qu'il soit pas en vert. Ouais, bah le vert, je l'ai déjà. Ah non, non, c'est le orange que j'ai, le jaune. Mais non, oui, non, je vois ce que tu veux dire. Ouais, oui, le toi, t'as celui, oui. Je parlais de celui avec le fromage. Ah, j'ai le fromage, mais du coup, il est pas. Ouais, il est pas vert. Ok. Merde. Y'a un trou là ou je vois pas là. What? Y'a un trou là? Ah oui, oui, oui. Ah. What? Ah non putain, je croyais que c'était du vide, pas du tout. Non, je crois pas qu'il y ait de vide, hein. Ah ouais? Ah oui, d'accord. Ah oui, non mais... Ah oui, il y a vraiment pas de vide. J'ai encore cru que c'était du vide, mais pas du tout. Bon. Ok.
qu'on voit ce qui se passe ici. Ah oui, d'accord. Oh, elle est longue. Ah, un peu glissade. Mon perso s'est cassé. Oh, qu'est-ce qu'il a eu mon perso de tomber comme ça là. Alors Exaïd. C'est bon, je te vois. Allez, régale-nous. Regarde ça, mec. Bravo. Ouais, pas mal, mais en fait, un peu trop facile. Parce qu'à chaque fois qu'on rate une épreuve, en fait, on passe juste en bas. Bah, et c'est bien, ça permet juste de faire une différence de... Je sais pas, moi j'aime bien ça, justement. Ah, mais je sais pas. En fait, le problème, c'est qu'en bas, il se passe plus rien. Tu te dis juste, ah, j'ai manqué l'épreuve et je peux pas, je peux même pas la réessayer. Ouais, ok, ouais. Moi, j'ai bien aimé. Ok. Mais sinon, sympa. Hop, map suivante. Ok, c'est toujours... je remets le code pour s'il y a des gens qui veulent rejoindre. C'est toujours 40 joueurs, donc pour l'instant, ça va. L'hiver tombe. L'hiver tombe. Pas mal. Personne qui rejoint, au pire vous notez le code et vous rejoindrez pour la prochaine, hein, si jamais. 9J PGV, c'est parti. On enchaîne. Prenez vos écharpes, les sucres et découvrez cette nouvelle petite map faite pour l'occasion. Très bien. Moi pour l'instant j'ai fait des maps de tous les styles sauf Halloween et hiver, mais j'aime bien là la dernière map qui me manque que je dois faire pour ma vague, que ce soit la map une map hiver, mais faut que je trouve... J'ai une idée mais c'est compliqué à faire, mais je vais voir. Oh putain. J'ai juste bouffé quelqu'un en plein saut. Ah, j'ai voulu grid. J'ai trop du mal avec les sauts sur les trucs comme ça là. J'ai vraiment du mal sur ces sauts là, je ne comprends jamais ce qu'il faut faire sur ces plateformes. Ah merde. Ouais, je fais comme ça parce que sinon j'y arrive pas. Ah putain, je reprends de la merde. Hop. Oh. Je reprends, il y a une sorte de gros labyrinthe. Je sais pas à quoi ça sert, ouais. Oh non. Waouh. Y a un chemin alternatif à gauche, pas non. Je sais pas du tout. Il y a un gros labyrinthe. C'est un test de QI. Je sais pas, peut-être. Hein. Ouais, je pense que c'est un test de QI, hein, j'ai pas mytho. Peut-être qu'il y a une sortie alternative en haut. Parce que les labyrinthes, ils débouchent sur des points. Ah. Ah bah, je sais pas, parce que j'ai l'impression que les gens, quand ils sortent du labyrinthe, c'est pour aller vers devant, donc... Je sais pas. Très sympa. J'ai compris. Bah vas-y, explique-nous, Miral Ball.
Alors tiens, d'ailleurs, en parlant de Miral Ball, une map de Miral Ball, elle date un peu, mais on va voir ce que ça donne. Hop. Oh là là, Ninja Fall Warrior 3, oh là là, ça sent le traquenard. C'était pour activer le pont, hein, peut-être. Ok, mais il n'y a que des tryharders, donc personne n'a activé le pont. Oh putain. Ah mais c'est... Putain, mais je me disais aussi d'où ça sort cette plateforme aussi, aussi maigre. J'avoue. Oh putain, mais en fait, on s'est tous vu faire ça, et du coup, on a tous reproduit en mode, bon, bah, ça va être le chemin normal. Bon. Ninja Fall Warrior 3, ça va être du tryhard. 4 obstacles. What? Ah oui, d'accord. Je vois pas où faut aller après. Je déteste ces plateformes. Je déteste absolument ces plateformes. Ah oui, ça va vraiment être dur, genre. Mais on peut passer sur le côté ou je suis taré? Je pense que c'est pas possible. Ah oui, non, ok, ça te respawn. Non, ça, c'est bien fait. Ah oui, d'accord. Oh, le lag. What, mais on peut même pas sauter. J'espère que... Oh putain, y'a... Ok, c'est bon. Oh sérieux, la dinguerie. Putain, ça fait respawn tellement loin en arrière à cet endroit-là. Bah attends, mais en vrai, est-ce que... Ouais, en soi... Ah oui, d'accord. Ah merde. Et c'est la fin? Oh, ah, oui. Top 1, bravo. Ah non, peut-être pas top 1. Non, non, non. Y'a Miral Ball qui a fini avant quand même. Ouais. Quoi? Quoi? Coucou Irene, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, ça m'a fait un truc bizarre. Moi j'avais passé la hitbox du checkpoint et tout, mais... Ah, tu peux peut-être pas t'accrocher à cet endroit-là. Voilà, c'est ça que je voulais faire. J'arrive jamais à monter ces murs de merde. Voilà. C'est là qu'il faut toucher. Ouais. Ok. Et un taux de réussite galère. En même temps, j'avoue, la map est dure. Moi j'ai bien aimé le concept. C'est pas mal. J'avais préféré celle d'avant, je crois. Enfin, celle d'avant de la version numéro 2. Ah, genre Ninja 2. Oui. Bon, ça ne sera pas trop long. Oui.
Et du coup, il nous restera les deux de Lucifera, sauf si j'ai oublié d'en noter. Si jamais vous n'êtes pas Lucifera et que je n'ai pas fait votre map alors que vous l'avez proposé, n'hésitez pas à la reposter dans le chat. Mais je crois que normalement, on aura tout fait. Alors. Ok, toujours 40 joueurs, très bien. Je laisse quelques instants si les gens veulent rejoindre. Oui, on a perdu une personne. Quelqu'un est parti manger. Ah, peut-être. C'est très possible, effectivement. Je laisse encore quelques instants, puis je relance, alors. Et au pire, ce sera pour la prochaine. Bien sûr. C'est bon, on a récupéré la personne. On peut lancer. Putain, en vrai, je vais pas faire long feu ce soir. Hein. Je suis claqué, j'ai eu un gros coup de barre en lançant le stream. Enfin, genre un peu au début du stream. Donc en vrai, je pense, après avoir fait les maps des viewers, je fais quelques sessions duo et peut-être je m'arrêterai là. Ok, ça marche. Pas de soucis. Bien évidemment, j'arrêterai pas avant qu'on ait full gold, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ah. Ah, d'accord, il y avait un trou. What? Ah, par contre, je ne vois pas vraiment le trou, c'est pas méga pratique. Je vais passer là parce que j'y arrive pas, les rebonds là. Ah, ah putain, oui, d'accord. D'accord. Wow. Ah. Ah putain. Putain de... Je suis bloqué là. Ah oui d'accord, et Mister J triche quoi. Mmh. Ouah c'est hyper dur, attends y'a pas de checkpoint là, c'est une blague. Mais merde. Allez-vous. Ah oui d'accord. Ah ouais? J'ai pas la ref sur la fin là. Ah. Ok. Ah, elle est vénère à la fin un peu. T'es où? À la fin. Mais j'ai pas la ref non plus. C'est juste vénère, c'est juste timing. Je pense qu'il faut bien bien rester sur le slime le plus possible pour accumuler de la vitesse. C'est ce que je me dis, mais ah putain. Je pense qu'il y a que ça, hein. Mais ça va, elle est chouette la map en vrai. Nope. Mais attends, un peu trop. Ah mais ça m'a enlevé le boost au pile moment de sauter. Oh là là, la catastrophe. Je pense que sur Switch c'est potentiellement moins facile aussi. Hein. Oh. Ah vas-y. Tiens, tu te rappelles de 2021 mec, la dernière fois que t'as touché le trempeau? Ferme ta gueule. Mm.
Ah mais à chaque fois il m'enlève le boost. Mais c'est trop chiant parce qu'il faut que j'accumule de la vitesse, mais si je le fais c'est FF. En fait faut que tu rappuies vraiment, voilà c'est bon. Ah putain c'est bon. Oh mon dieu. Oh, le coup du marteau il est vraiment bâtard. J'avoue que le fait qu'il soit vraiment avant le checkpoint et pas après, c'est... OMG, non. Ah. Tellement dur perdu. En vrai. Perdu pour Dr. Key. À la fin, il est dur. Hein. Ouais. Quoi? Regarde la tristesse. Ouais, mais oh oui. un peu du troll. Que ce soit aussi dur. Ouais, c'est clair qu'il faut dash sur le trempeau, hein, sinon c'est impossible. Redash sur le trempeau, prendre de la hauteur, puis redash derrière. Je suis vraiment un connard de rire. Sachant que j'ai galéré aussi, mais c'est pour ça que je ris. Ah, bravo. Oh ! Incroyable. Non. Dommage. Allez, encore une personne qu'on finisse la manche SVP. Allez, Anonyme, on compte sur toi. Oh ! Voilà. Oui ! Lucifera, on avait proposé une deuxième. Miralball proposait aussi d'en balancer une deuxième. On peut. Ça va. On a pas fait beaucoup de maps, donc possible. Hop. Route arc-en-ciel, allons-y. Bon, je lance, hein. S'il y a des gens qui veulent join, ils rejoindront à la prochaine. Moi, j'ai sauté sur le trempeau de loin avec la vitesse sans m'arrêter et ça passe. Ouais, c'est quand même vachement plus galère, je pense, en vrai. Ok. Une map concept, ça te dit, je te rassure, il n'y a pas de bouton. Bah, vas-y, hein, est-ce que j'ai le choix? Oui. Non, mais vas-y, on va prendre la map concept, hein, on va prendre la map concept. Oh. À tes risques et périls, quoi, sur la map concept. Miral Ball, bien sûr. Non, non, ma hantise, ces trucs-là. Ouais, là, typiquement. Ok.
Oh, vas-y. Ouais, il y a moyen d'accéder là, hein. What? Dinguerie, ça. Yeah. Rien, j'ai tenté un marteau, il m'a vraiment juste rien fait. Ok, c'est bon. Ouais, j'avais pas compris qu'il était orienté comme ça, en fait. Alors, Exaïd. Oulala, Exaïd. Bon, je suis bien, arrête, hein. Pas fou, en vrai, hein. Bon. Tu dois faire un first try marteau là pour l'honneur. C'est un chemin alternatif plus long, ouais. Côté genre. Ouais. Ok, c'est bon, t'es validé. Oh putain. T'as eu chaud, mais c'est bon. Ça aurait été dégueulasse que je me cogne au panneau roux et que je perde. Non, moi je suis un joueur pro marteau. Mmh. Vas-y, Miralbol, balance ta map, là. Ta map concept. On adore les concepts, nous. Oh non. Tout ce qui est concept, on kiffe. Mais moi, en vrai, je pense que là, la dernière map de ma vague, ce sera une map concept, hein. Et ce sera une map concept vraiment teubée, évidemment. Test de QI. Non, test de QI, pour toi c'est une map concept le test de QI? Un peu, hein. Ouais, non, vraiment plus concept alors. Ce que je prépare. Pour toi le flipper c'est une map concept? Ouais. Ouais, ok. C'est une survie. C'est un flipper. Le but est de ne pas se qualifier et d'être le dernier survivant. Oh putain. Ça a l'air marrant. Ok. Bah pour une fois, Exaïd il va peut-être réussir parce que sa spécialité de pas se qualifier. Oh, ferme ta gueule. Très très grave. Mm-hmm. Et lisez bien la description surtout. Ah mais ça y est, tu vois c'est le genre de map où faut avoir un manuel et tout. Le jeu aveugle. Survie. Lorsque le ventilo est activé, retiens la position des plateformes, puis va sur une plateforme pour ne pas tomber. Lorsque le ventilo est activé, retiens la position des plateformes, puis va sur une plateforme pour ne pas tomber. C'est trop compliqué pour moi. J'imagine que je comprendrai en jouant. Pourquoi on est à l'envers? J'ai un écran noir. T'as toujours un écran noir là? Oui. Bah nous on joue là. Attends, what? Putain mais... Quoi? C'est bon, je viens de comprendre. C'est bon, ça s'affiche. Hein? Il manque les plateformes. Je n'avais Oui. Mmh. Mais il y avait une plateforme. What the fuck? Ça, c'est un truc complètement buggé sur la Switch. Hein. Je sais pas, j'étais sur une plateforme et... Il a trop hacké le jeu. Alors, on en voit une dépasser là où est Neriva. Ouais. Si on voit une plateforme dépasser. Oui, en fait, je pense que c'est comme ce qui s'est passé avec Neriva. Je pense que la plateforme a dû, genre, je sais pas, se
se casser la gueule. Et du coup, ça m'a niqué. Je crois qu'ici, il y en avait une. Il va pas y avoir de nouveaux trucs pour vérifier, là. Ok. Par contre, je crois que j'ai jamais eu une map aussi peu fluide dans mon jeu. Tu m'étonnes. Il veut juste casser ta Switch, Miral Ball. Je sais pas comment il a fait pour mettre tout noir. Alors oui, j'imagine que c'est une map modée. Oui, 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 bah là, effectivement, je pense aussi, oui. Bon, ça va partir en duo ? Ouais. Let's go. C'est un masterclass, hein, c'est ça, hein. Voilà. Ok, bon, vas-y, je te réinvite. Alors. Tac. Attends, faut que je t'invite d'abord. Sinon, ça va me lancer en duo tout seul. Oui, oui. C'est bon, je t'ai invité. Ouais, le concept est grave stylé, mais c'est tellement bourbier à faire, je pense. Sinon, il y a les aventures inexplorées aussi. Ou alors, il y a les ruées de groupe. Quoi cette merde? Ruée de groupe, voyage en équipe et découvre les manches créatives les plus populaires avec ton groupe. Et aventure inexplorée, c'est pareil mais en solo, mais je crois qu'on l'avait déjà fait, aventure inexplorée. Ah oui. Duo. Ouais, duo. Ça a l'air traquenard les autres trucs. Bah après c'est se retrouver avec deux personnes au pif, c'est toujours un traquenard. Après si le truc en squad, il y a plusieurs manches, pourquoi ouais. pas? Non, si non, c'est encore c'est, un truc ou genre c'est un mini-jeu. Vous me confirmez le chat, hein, mais je crois que c'est qu'un seul mini-jeu par émission. Hein. Ok, c'est top 1, top 2. Ouais. Ok. Full gold. Hein. Je me demande genre si on prend en compte, si on prend en compte vraiment uniquement l'écran de fin, combien de fois toi et moi on a fait full gold? 3, 4? Ouais, 4, je sais pas, 3 oui. Mais après il y a quand même 2-3 fois... au moins autant de fois où on aurait dû... Oui, en fait, oui, littéralement. Ben, je pense qu'on a fait 3 full gold écran de fin. Et 3 full god baiser écran de fin. Ouais. Vas-y, par contre, j'ai le rôle de fou en vrai. Je peux vraiment rien faire, je suis désolé. Ouais, je pense que je suis top 1 en vrai. Ouais, mais je suis pas sûr de pouvoir sécuriser. À moins que ce fils de pute! À moins que ce fils de pute, tout à fait. C'est ce que j'aurais dit aussi. Putain, en plus, il est tombé aussi, il est trop nul à chier. Ah, mais voilà, top 2 à cause de l'autre là. Ah, attends, ouais, je vais peut-être pouvoir venir carry. Non, en vrai, ça ah, va être chaud. Putain. Attends, t'as pas fait du tout top 2? Bah mais non, mais il y a l'autre connard là. Oh, c'est trop grave. Ah, on est deuxième du coup. Égalité en plus. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? C'est l'échauffement. Oui, oui, on continue. Bien sûr. C'est bon, j'ai bien orthographié un masterclass dans le titre. Ah mais t'as mis ça dans le titre? Bah dis-moi, je sais pas si c'est bien écrit. Attends, j'ai pas Twitch d'ouvert. Bah, ouvre Twitch. Est-ce que quelqu'un dans le chat peut me l'écrire comme il l'a mis dans le titre? SVP. J'ai écrit A-M-A-S-T-E-C-L-A-S-S. Ouais, c'est ça je crois, un masterclass. M-A-M-A... S-T-E-C-L-A-S-S. Là, il y a un petit tout qui a écrit dans le chat. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Un masterclass. Parfait. Waouh, il y a un truc trop bizarre que j'ai jamais vu. Tu vois l'endroit où nous on passe par le milieu mais avec les points, mais en fait tu peux passer par les côtés, il y a des sucettes.
Oui. Bah en fait, il y a une sucette, elle était en or et toutes les autres, elles sont rouges. C'est chelou, non? Ah, peut-être. Je sais pas, j'ai jamais fait gaffe. J'ai jamais vu ça. Merde, je me suis pris la boule. Attends. On va peut-être pouvoir la voir d'un peu loin, mais je sais pas en vrai. Ah oui, j'en vois une de dorée. Ouais, t'as vu? Ah, mais c'est celle qui bouge. Ok, il y en a une verte et une dorée. Ok, ok, non, my bad, my bad. C'est pas du tout une exclue en fait. Ah, mais on joue pas avec des gens du chat, je peux être toxique avec les autres joueurs, je viens de capter. Ouais, même quand c'est des gens du chat, hein. Non, je pensais pas. Non, j'ai pas pu le dépasser. C'est pas grave. Enfin, c'est top 1, mais bon. On a choqué le premier à cause de moi. Enfin, à cause des autres plutôt. Parce que... ouais. Pa-pa-pa-ba-dam. Hot dog. Oh non. Oh là là. Y'a Energy Tacos. Attends, je regarde Energy Tacos. Ah non, c'est Energy Tacos. Ah, il a dit Energy Tacos. Ah ouais. Ouais, ça OMG. Peu, hein. C'est bon, il s'est qualifié. C'est le dernier qualifié. Energy Tacos là. Trop hâte de se retrouver en finale contre lui. Voilà, dans le chat, ça dit GG Exa, trop fort, à masterclass. Merci les mecs. Oh, il est qualifié, Tacos. Oh, c'est la team Energy, il y a Energy Tacos et Energy Manos Mince, un truc comme ça. Mm. Mec, tu vois aussi, on devrait faire un nom de team genre Amasterclass Exel et Amasterclass Mister JDF. Vraiment, le nom de la team prend les trois quarts de la place. Ok. Bon, mec, essaye de pas perdre, s'il te plaît. Ah ouais. Non, t'inquiète, ça, je suis trop fort. Mais attends, on a ça. Ah non, on est sur la troisième manche. Attends, 7 premiers qualifiés, et là, on est combien d'équipes? 11? Ouais, 12. Je sais pas, aucune idée. Ok, donc tomber égale éliminer, quoi, en gros. Oui, 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 non, mais globalement, sur cette épreuve, oui. Et surtout que là, ça a l'air. J'en sais rien, mais ça a l'air d'être la version facile. Hein. Ça a l'air d'être la version très facile. Ah putain, j'essaie de monter sur les côtés de l'autre côté. Oh, je pense que... Ah ouais, il y a peut-être un mort. Ah non, dommage. Non, il n'y a pas de mort. Dommage. Mais c'est la version ultra facile, non? Oui. Enfin, je crois qu'il y a une version encore plus facile, mais qui est un peu plus... Je sais pas si elle peut encore tomber. On dirait qu'on peut pas monter sur les côtés, hein, si jamais. Je te donne l'info là, je suis en train d'essayer, j'ai l'impression que c'est pas possible. Putain, j'ai essayé de baiser un mec, ça peut marcher. Je suis... Ah si, c'est bon, il est mort. Bravo. Je l'ai fait stresser, on va dire. Pression psychologique. Oh oui, oh oui. Oh non. Merde. Oh putain. Ah oui, je crois que je l'ai baisé. Attends, je crois que je suis en train de mourir, je me suis pris une collision. Non, c'est bon. Oh, je crois... Oh, c'est bon, j'ai baisé un mec, let's go. Merde! Merde! C'est bon. Merde, je t'ai grave. Merde, c'est toi! Non, ça aurait été trop grave si on mourait comme ça. Mais attends, on est super loin, là. Oh, putain! Je suis mort. De toute façon, c'est bon, il y a tout. Oui. En même temps, j'étais juste déjà spammé les grabs entre chaque saut là. Bon, en plus, si je grabe un mec et je vois que c'est toi, je me dis putain. Bon, de toute façon, c'est la médaille d'or ce truc de merde, même si on fait pas la top 1. Ouais, j'avoue. Bah, les couilles. En même temps, c'est plus la médaille d'or qui est jouée, hein, de toute façon. Oh non, usine urgente. Bon, de toute façon, on pouvait pas jouer la médaille d'or du coup, donc ça va. Le run killer, hein, comme on l'appelle. C'est quoi déjà la méta pour avoir la médaille d'or sur celui-là? C'est juste pas possible ou... Ouais non, c'est juste pas possible. Ouais, je crois. Je sais plus. Si, il faut valider tous les deux en même temps, je pense. Oh, j'en sais rien.
Ah, mais du coup, même si tu valides en même temps et qu'il y a une team qui le fait, ça te compte ex aequo et oui, t'es quand même médaille d'argent. Ouais. Ouais, je vais tenter celui-là, mais. J'en ai deux. À Masterclass. J'en ai trois. Trois. Ah ouais, c'est toi qui l'as eu là ? Ouais, ouais, ouais. Ah bon ? J'ai l'impression que c'était moi quand même, mais bon. Non, c'est moi, c'est moi. À ne pas s'y tromper. Mais 22 fils de. Pardon ? Non, rien. On me vole. Vas-y, prends-le, il est pour toi. Merde, je suis descendu alors qu'il y en avait un au-dessus. J'en ai un. Je l'ai. Combien de points, Exa ? 5. Ah ouais ? Ouais. Mec, on va avoir la médaille d'or alors, du coup, puisqu'on a 12 points, ce qui est pas possible. Ah bah, c'est méga stylé. Hein. On a dû réussir à appuyer sur deux boutons en même temps à la fin. Ouais, je pense, ouais. Sur trois boutons, du coup. Ouais. Attends, mais t'as combien de points ? Bah, 7. Ah, mais donc on a vraiment appuyé sur un bouton en même temps à la fin. Mais pourquoi t'as combien pour de vrai ? 4. Ah, ok, bah oui, oui. Bah oui, je te l'ai dit. J'en avais un. Tu vas voir, ça va être médaille d'or là. Mais du coup, ça nous sert à rien. J'étais déconnecté aussi. What ? Oui, 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 non, mais c'est clairement pas. Putain, mais quel jeu de merde, j'en peux plus. Oh, le run killer de fou. On a quand même réussi à opti l'usine urgente qui est pas optimisable pour se faire baiser là-dessus. C'est bon, moi je suis retourné dans le lobby là, je te vois. Ok, what the fuck. Heureusement qu'on a pas fait que des golds du coup. Ah, vas-y, le jeu il est à chier, j'en peux même plus. Le fait que même toi t'es crashé, c'est bizarre quand même. Mais non, mais c'était juste un crash, les serveurs de Fall Guys, hein, vraiment. Oh, ça par contre c'est top 1, top 2, il n'y a pas de possibilité de choke. Je vais te dire, même si c'est une fin que j'aime pas, je fais top 2. Ah ouais ? Minimum. Alors. Ok, ok. Ah, c'est vraiment une fin que j'aime pas, effectivement. Vas-y, je tente le top 2. De pas te gêner. Ok. Oh putain, c'est cette fin. Oui. Ah, je suis trop con. Ah putain. Après, il faut pas que j'aille direct sur le ventilo pour celle-ci. Top 1. Oh putain. Oh, t'es nul, t'as fait top 3. C'est pas. Donc ça veut dire que là, toi, t'as fait top 3, moi j'ai fait top 1, alors que moi j'ai pris la safe way. Que je suis tombé. T'as voulu grid en fait, clairement. Oui. Oui, non, mais en fait j'ai oublié que quand c'est le ventilo, je peux pas aller direct sur le ventilo, faut que je passe par l'étape intermédiaire. Oui, tout à fait. Alors que c'est possible quand c'est pas un ventilo. Tu peux dire que je suis trop chaud aussi, hein, tout simplement. Non. Mec, Un mec qui s'est pissé dessus pour prendre la safe way. Mais c'est juste la safe way, en termes de temps, elle est opti. Hein. Ouais, les ventilos, ils sont lents en fait. Mais le jour où on est contre des méga tryharders de fou et que toi tu seras là avec ta safe way. Du coup, toi tu te pèteras la gueule et puis moi je serai qualifié quoi. Non, parce que maintenant je sais, je me pèterai pas la gueule la prochaine fois. Oh là là, non mais voilà. Il n'y a plus de respect sur cette chaîne Twitch. Non. Il respecte pas les viewers, Xaïd. Déjà, il propose un gameplay catastrophique.
Et en plus de ça, il rate quoi. C'est même pas proposé de gameplay, t'as même pas eu le temps de me spec. Bah si si, on a bien eu le temps justement. Ah bon, on t'a vu tomber. Bon. Mec, tu sais ce que ça va être la prochaine manche? Attends, je cherche vite. Hauteur vertigineuse, je dirais, le truc avec les disques de la saison 1. Alors? Quoi? Ah ouais, c'est ça, putain, je suis trop fort. Hein? De quoi, quoi? C'est... J'ai réussi à deviner la manche. T'as vu? Bah, non. Si, si. Non. What? Mais t'as regardé ton écran, quoi? Bah non, ça avait pas chargé encore quand je te l'ai dit. Si. Bizarre. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh mais putain de... Putain c'est grave. Ouais ouais, je suis d'accord. Il va me grabber lui, j'en suis sûr. Non merde. Ah mais... Ah, Mister Jeans. Oh oui, bien sûr, oui. Pas de médaille d'or à cause d'Exaïd. Ouais. Qui s'est viandé sur le trampo, là. Ah, bah, j'étais quand même devant, pourtant. Ouais, parce que t'as commencé devant moi au début. Ben oui, bon, allez. Oui. On s'est 1 cm devant. Ouais, ouais. Vas-y, attends, je vais prédire la prochaine map. La tour gélatineuse. Alors ? Bah t'as pas donné de suggestion là. Si j'ai dit la tour gélatineuse, j'ai dit. Non. Quoi non? Mais t'as dit ça? Bah ouais, t'as pas entendu? Ah vas-y, je t'en ferai un prono plus tard. Attends mais... Non mais c'est parce que t'es sur PC et du coup genre tu la vois avant moi. Mais trop basse, ça fiche en même temps pour tout le monde. T'es con ou quoi? C'est juste j'essaie de faire des pronos avec bah le roulement des maps quoi. Ah ouais? Ouais. Bah attends vas-y je réessayerai mais je peux pas me... Je peux pas réussir à chaque fois non plus. Ah bon? Y'a pas de points, ok. Ah, y'a des barres, c'est ce que tu préfères non? Ah putain, cette merde. Merde. Ah. Faut passer par derrière, il y a un bloc pour ouais, monter. Ouais, ouais. Je veux trop utiliser les barres pour monter, pour m'entraîner un peu. Ça sert à rien. Merde. Je suis tombé. C'est chiant de tomber à cet endroit-là. Putain, je tombe jamais à cet endroit-là du coup, ça m'a fait bizarre. En fait, je voulais faire ça. Ok. Je me fais balayer. Ok. Non ! Non ! Si je me fais battre, c'est dégueulasse ! Putain ! T'es mec, c'est dégueulasse. Ah ouais. Je me suis fait propulser en plein dans la bouée et en plus, il a gagné seulement parce que c'est un joueur PC. Parce que j'étais très clairement devant lui, mais c'est avec ici avant. Hey Mister GD là. Oh là là. Putain il va nous payer, il va nous péter le top 1. Mister G Int. Première place hein. Je me demande grâce à qui c'est hein. Ouais, moi notamment. Bon vas-y pré-shot pour voir.
Attends, je réfléchis. On est... C'est quelle émission? C'est la quatrième? Ouais, il reste 4 quads. Bah, je dirais la finale. Ça coule. Ou alors les grimpettes. Soit ça coule, soit la grimpette, je pense. Tu l'as dit, c'était quand même affiché depuis bien longtemps. Quoi? T'as dit ça coule, la map elle était affichée depuis bien 5 secondes. Non, j'ai dit ça coule ou la grimpette. C'était pas encore affiché à ce moment-là. Parce que si. Bizarre. Je t'ai dit que c'était la finale alors que c'était pas forcément la finale. Hein. Bah, 4 teams, ok, un peu. Mm. Oup. Quelqu'un qui est tombé, ouais. Vas-y, dégage, ça va. Casse-toi, tu vas me faire tomber. Ok, là, je vais sauter, là. Ok, ici, on peut pas sauter, il y a direct un mur. Ok, là, on peut sauter. Sauter une fois, on peut sauter deux fois. Putain de fils de... Ouais, t'es mort avec Zaïd. Mais c'est grave, putain, mais c'est grave. Le pire, c'est qu'il est pas mort, quoi. Le mec me grabe et il meurt pas. C'était lequel? Le mec à la lunette. Mmh. En noir, avec des lunettes noires? Oui. Je trouve ça vraiment dégueulasse qu'il ait survécu alors qu'il est venu tout au bout avec moi et que lui, juste, il a eu le temps. Il est mort, bah, non? Il est mort, ouais. Oui, bah, parce qu'il était nul. Et bah, il est nul, mais en tout cas, il est mort après toi. Bon, bah, non, bah, non, mais il est nul, mais c'est un joueur PC, donc malgré tout... Ouais, non, mais l'excuse du PC, ça commence à aller, là, hein, franchement. Oui, là, il m'a juste grab, c'est tout. On, wow. on peut pas prendre plaisir à ce jeu à cause des gens comme ça... Tu me conseilles de rester sur la orange ou sur la bleue, là? Bleu. Ok, merci, mec. Bleu, parce que tu peux sauter 3 fois de suite. Ouf, ils sont chauds, les sauts, quand même. Hein. Ouais, mais grâce à ça, t'as gagné. Oui, bah, c'est vraiment juste grâce à ça, mec. Ah. Bon, ça fait pas full gold, mais bon, on prend. De toute façon, une full gold à 4 manches, c'est un peu de la merde. Hein. Et que 4 manches? Ouais. Bah oui, c'est pour ça que je t'ai dit bah, c'est la finale, mais j'étais vraiment pas sûr. J'avoue, c'est bizarre. Ah, mais c'est parce qu'il y a personne qui s'est qualifié à la tour gélatineuse, ils sont tous morts. Ouais, c'est ça. Tu veux que je te prono maintenant le premier mini-jeu là? Vas-y. Attends. En vrai, c'est trop dur, mais en fait, je dirais. Première possibilité, ça va être attaque sur piste. Et deuxième possibilité, ce sera la ville vue d'en haut. Mmh. En fait, le problème, c'est que pour calculer les émissions qu'il va y avoir, enfin les manches qu'il y a après, je me base sur la première, en fait. Ah ouais? Oui, parce que c'est des roulements. Enfin, voilà, c'est des probas. Et donc là, au pif, voilà, moi je dirais quand même. Oh non, c'est encore hauteur vertigineuse. Et alors là, par contre, avec la hauteur vertigineuse en premier, ça va être compliqué de prendre celle d'après. Pour moi... Je pense que ça va être ça cool, après. Bien sûr, direct après. Non, après... Ah, c'est compliqué. Après, ça va être la jungle... Pas celle avec les trempeaux. L'autre jungle. Culbut arbre. Mmh. Je pense. Je te redirai, je vais réfléchir. Là, c'est un peu dur de se concentrer. Ah, mais allez-vous... Ah, putain de...
J'espère qu'ils sont pas dans la même équipe. Le coq doré là, ça sent pas bon hein. Ah j'avoue. C'est quoi cette version qu'on a une fois tous les 4000 ans là? Wow. Ok, c'est bon. Oui. Ok. Bon. Du coup, moi, je te dis que le but arbre après. À la rigueur. Ah non, 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 non. J'y crois pas. À la rigueur, le. La glissade là où t'es trop fort là. Mmh. Moi, ça me ferait plaisir. Bon, je réfléchis. Attends. En fait, le problème, c'est que le pattern avec ce mini-jeu-là en premier, je l'ai jamais eu. Je réfléchis s'il peut y avoir un troisième choix, mais... peut-être... non, je sais pas, vraiment. Je pense que je vais rester sur mes guesses, quoi. Tiens, bizarre. Alors, c'est du cheat ? Mmh. Ouais. Bah bon, pourtant je te l'ai quand même dit pendant la manche d'avant, mec. Certes. Mmh. Est-ce que il y a eu une mage avec un patch ou par hasard c'est que les mêmes roulements qui sortent à la suite ou... Non, c'est juste faut faire des calculs algorithmiques un peu compliqués en vrai. Ah ouais. Ouais. T'es sûr, y'a pas eu genre eu de la mage qui a fait je sais pas quoi. Mais non, mec. Quand même pas. Renseigne-toi, tu verras que non. Mm-hmm. Par contre, t'es où là? Je me suis fait cogner par un mec et du coup, j'étais bloqué dans. CFF. Je dois tenter le milieu. Bah, en fait, y'a un moment où je pensais que je pouvais replonger et que je pouvais pas. Je sais pas comment expliquer. Oh, c'est vraiment mort, hein. Vraiment, je me suis. En vrai, j'ai vraiment envie de. Mais pourquoi? Mais attends, mais y'a un truc que je comprends pas là. Ah, faut taper le saut plus tôt, genre. Bon, vas-y. Pourquoi tu prends le milieu? Mais qui fait ça? On s'en fout, de toute façon, on va être qualifié, t'inquiète. Vas-y, je prends là. Je prends ton cut là. Mais pourquoi tu l'as pas pris dès le début? De quoi? Tu l'as pas pris dès le début? Parce que, en fait, mon perso, genre. Il veut... Des fois, il se lève, il veut pas replonger, genre. Je sais pas comment t'expliquer. Donc au début je voulais prendre le cut. Et genre le plongeon il se fait pas. Comment ça le plongeon il se fait pas? Mon perso il reste en position de plongeon et du coup je peux pas plonger. Tu comprends? Mais tu sautes, il faut sauter. Mais c'est ce que j'ai fait. Ah j'ai pas eu le temps de prendre Sonic, vas-y Sonic. Non bon là abuse pas. Quoi? Ah c'est là, il y a une deux. Moi ça vient de s'afficher là. Et c'est bon, c'est bien la zone de colline de haricots. Oui. Putain, tu t'es même pas qualifié, quoi. De toute façon, mec... sur celui-là, on peut pas faire la médaille d'or. Ah, je crois que on a le pire spawn encore. Oui. C'est beaucoup d'argent, même si à côté... Oh, merci Megaluigi pour les 1000 bits. Mec, j'ai ramassé plein d'anneaux là. Mes anneaux. Ah, j'ai rien mec. Branlé. Alors de quoi? Un poing. Ouais, mais moi j'ai du enfin j'ai du voilà. J'ai sécurisé la zone quoi. Ouais, bien sûr. Mm-hmm. Bah vas-y, tu veux que je prenne la prochaine maintenant alors? Vas-y. Attends, laisse-moi réfléchir. Ah, c'est dur, là.
Je dirais, tu sais, le truc pas final, mais où il y a la barre qui tourne et tu dois sauter, tu vois. Et sinon, si c'est pas ça... Si c'est pas ça, c'est les rhinos, mais je pense pas, en vrai. Non, c'est pas les rhinos, non, c'est pas les rhinos. Je sais pas, j'arrive pas à savoir, là, j'arrive pas à le lire. Ah, la carte céleste, je pouvais pas le voir, franchement, je t'avoue. C'est une map que j'oublie tout le temps qu'elle existe. Bon, par contre, je vais faire top 1 dessus, prépare-toi. T'es prêt? Ouais. Juste pour le talent des pronos, merci hein, Mega Luigi, merci encore pour les 1000 bits. Hein. C'est vrai que même si Exaïd veut pas reconnaître que je suis un boss. Non, j'ai mes petits doutes. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais il est à chier, c'est incroyable. Je vois pas l'écran en face. Va le voir, qu'est-ce que je te dise. Ah! Ah, j'ai fait top 2, désolé. C'est tout droit là? Non. Là c'est... Oui. En diago. Pas ouf hein, Exa, mais bon. Oui, bon, c'est bon. Par rapport à ma masterclass sur la glissade, je suis assez choqué en vrai, mais bref. Alors, moi je suis arrivé. Tu veux savoir ce que ça va être la finale? Vas-y. Ça va être... Le temple perdu. Ouais, je dis ça va être les bombes. Oh non, on ne porte pas la poisse. Ou hexagone classique. Ah, hexagone avec anneau, je voulais dire. Ah. C'est un peu des classiques, mais en rond, quoi. Oui, oui. Putain, mais celle-là, ça fait vraiment 1000 ans qu'on l'a pas eu en finale, par contre. C'est abusé. En vrai, ça fait plaisir d'avoir. Ouais, je préférais les classiques, mais bon, vas-y, hein. On passerait qu'il faudrait que... Il y a un coq doré. Pour avoir du challenge. Tu veux que je le focus ou... C'est moi qui vais mourir si j'essaie de le focus? Non, parce que coq doré, je sais même pas ce que c'est hein, comme niveau. Je crois que c'est... 2000 couronnes. Oh, je suis pas mort. 2000 couronnes, ah ouais, c'est chaud. C'est pas dégueu. Moi, je suis au niveau de la witch dorée. Je crois. Merde, je t'ai grabé toi en voulant me graber lui. Mais il arrive toujours à s'en sortir quand je le grabe. En même temps, on est sur des plateformes violettes encore, donc ça va. Ah, on l'est plus. Merde, je suis tombé. Désolé. Aïe, aïe, aïe. Trop focus sur trop de trucs. Ah, le coq est mort aussi. Hein. Ah, mais il reste plus que lui. Ouais. Oh, dommage. T'aurais pu le saucer. Pas trop, en vrai. J'ai pu... Regarde, tu sautes. Je pense que je reste à gauche pour la suite. Ah ouais? Pour la suite maintenant, mais pas pour la suite après. Puis après, il y aura plus rien. Je sais qu'à un moment à droite, il y a un trou quand même. Ouais. Vas-y, marche dessus avec un peu d'avance là. Dommage. Et oui, genre, c'est notre anniversaire. Bah oui, c'est bon. Ah oui, non, c'est bon, parce que j'allais dire, attends, il y avait rien quand même. S'il a pas pris mon chemin, je vois pas où il est allé. Hein. Bien joué. Merci Augustin pour les 2 ans. Bonsoir pour tout le monde, 2 ans déjà, Monsieur Barbier choisissait une phrase pertinente pour célébrer ses 2 ans. Il a dit « Eh oui, c'est notre anniversaire !» Eh oui. Ça fait 2 top 1 déjà. Oui. Putain, la glissade, mec, t'as abusé de fou là, c'est en bronze, what the fuck. Mec, c'est à chier ou quoi? Putain, oh, t'es un fils de pute. De quoi? On avait un full gold. Mec, t'abuses hein, d'avoir int la glissade, en plus c'est ta spécialité. C'est trop grave. On est en full gold et il est pas...
pas arrivé à terminer la glissade, quoi. Mec, t'es nul. On rappelle que j'étais devant toi sur une bonne partie de la glissade, donc bref. Oui, mais ce qui compte, c'est quand même l'arrivée, quoi. T'as techniquement 0 points, hein, mine de rien. Ouais, bah vas-y, on va voir. Déjà, vas-y, prono la map, là. Là, ça va être les bombes. Non. Bah, en premier, les bombes. La ville vue d'en haut. Et non, dommage. Mais bien tenté, hein. Mais ça va être, tu sais, la première map du jeu, je sais pas du tout comment elle s'appelle, là. La promenade festive, c'est la première map de la saison, enfin du jeu, je voulais dire du jeu depuis qu'il est passé gratuit. Bah non. Ouais, non mais t'as compris quoi. Mais si, ouais. Enfin en fait non, je voulais, enfin c'est si, parce qu'en fait quand il est passé gratuit, c'était la première map, et après juste ils ont sorti les nouvelles maps, mais voilà t'as compris. Ah ouais, ouais. Oui, bien sûr, oui. Ah je crois que j'ai bugué. Non. Ah, vous avez quitté le logiciel car une erreur est survenue. Oh non, vas-y, casse les couilles. Oh là là. Putain, exact int encore. Vas-y, hein. Je vais juste me qualifier. Hein. Vas-y, vas-y. Parce que là, t'as, dû quitter, t'as quitté le logiciel, genre la Switch. Oui. Ouais, bon, vas-y, le temps que tu refasses tout. Hein. Je reviens deux secondes. Ok. Ah oui, y a des gens, ils sont chauds là. Hop, masterclass, voilà. Bizarre, hein, dès qu'Exaïd est pas là, bizarre. On va être qualifié, hein, c'est ça le pire. En vrai, je réfléchis si... Le problème, c'est qu'il y a trop de manches où tu peux pas te qualifier tout seul. Bon, le temps que Exaïd y revienne, je continue. C'est pas un peu de la triche par rapport aux autres de prédire le jeu comme ça en avance avec une précision de 99%? Bah si, mais bon. Qu'est-ce que tu veux? Moi j'ai la méta. Là, par exemple, ça va être Hit Parade. C'est ça la map que je disais, en fait, que je pensais qu'elle allait être en premier, mais finalement, elle est en deuxième, ils ont inversé l'ordre. Ah, c'est celle-là que j'avais en tête. Bon. Ça va être plus chaud, là, de rester qualifié, je pense. Ah, il est de retour. Rebonjour. Putain, trop bizarre, mec. On est tombé sur la map que j'avais dit. C'est juste ils ont inversé l'ordre. Ah oui? Oui. T'es sûr de ça? Mais oui, c'est celle-là à laquelle je pensais quand je t'ai dit la première map du jeu. Ah. Hit Parade. Hit Parade. En français, en tout cas. Je sais pas, en anglais. De quoi? Non, mais c'est vrai. C'est peut-être un autre nom en anglais. En français, ça s'appelle Hit Parade? Oui. Ça s'appelle Hit Parade en anglais aussi. Ok, ok. Est-ce que tu es toujours dans la game du coup? Attends, je vais t'inviter dès que je perds. Pas maintenant donc. Parce que je suis trop chaud. En fait, j'ai juste fait top 1 hein, sur la game d'avant si jamais. Ah, ok, ok. Ouais, ouais. Et je suis toujours qualifié là. Pour une fois.
Attends, non, mais là, je fais pour la VOD, là, je fais full top 1, couronne sans toi. Ça va être compliqué, hein, je pense. Bon, là, j'avoue que là, ça devient compliqué, là. Je vois pas comment tu pourrais te débrouiller sans moi. Non, ça, par contre, non, ça va, mais... C'est juste qu'il aurait fallu que tu nous fasses 3-4 points, quoi, comme t'as l'habitude de le faire, mais... Bien sûr. Sans ces 3-4 points, là, je vais me galérer un peu. Mais vas-y, je vais essayer quand même. Ah, je suis tellement mal placé, j'ai le pire spawn, vas-y, ça dégoûte. Ah, j'ai le pire spawn. Comment je peux faire? Allez, vas-y. Hein. Oh merde! Voilà, oh le bouffon. Oh le bouffe. Putain, c'était cadeau et j'ai de choc. Bon bah là c'est perdu. Pour le coup. Oh le bouffe! Ah vas-y, je quitte hein. Ah, je pouvais passer par là. Vas-y, je t'invite. T'es toujours là? Oui. Hop, t'es invité. Je pense que ça va être ma dernière parce que j'ai un petit peu mal à la tête en vrai. NP, ça marche. Quand on aura fait full gold, bien sûr. Pas trop, hein, du coup. Mec, si t'es... Faut faire attention, quoi. Si t'as mal à la tête et tout, faut vraiment essayer de faire vite full gold pour que tu puisses arrêter de jouer, quoi. Ouais, bah, il aurait fallu ne pas, pas finir la map glissade, quoi, mais bon. Mm-mm. Ouais, après je verrai pour fouetter un peu éventuellement. Non mais vas-y, en vrai ça me va. Un peu clacax. Je dirais le tournant. Mmh. Au pif. Ah ça, le premier map du jeu. Ouais. C'est celle-là à laquelle je pensais quand je disais la première map du jeu, mec. Ok. En vrai, à mon avis, celle d'après, si ça commence par celle-là, celle d'après, ce sera celle avec avec les marteaux, là. Ah oui, la fameuse map avec des marteaux. Ouais. Non, je sais pas. Je pense que c'est pas possible. Bah, Oh, j'ai été déco. C'est vrai? Oui. Oh non, mais vas-y, c'est abusé là. Tu fais aucun effort, non? Ah non. Qu'est-ce qu'on fait? Du coup, je quitte ou on laisse tomber? Je veux bien que tu quittes et je retente et après. Vas-y. Si ça marche pas, je repars. Vas-y. Bah, dommage, tu pourras jamais vérifier mon prono, mais. Mmh. Vas-y, là, c'est bon, je peux appuyer sur prêt? Ouais. Ok, bon, prono de la première map. C'est la ville vue d'en haut. Voilà. Ce sera la ville vue d'en bas. Je pense. Mmh. Poum, 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 poum. Ah, oui, ou alors, attends, parce que là, ça va être Noël bientôt, peut-être dans la toundra. La ville vue du 25 février. Voilà. Top 1, top 2. Garantie. Ouais. T'inquiète. 100%. En plus, on est trop bien placé en vrai. Ouais, j'avoue. Toi, un peu moins, mais ça reste correct. Quoi? Couvert. Bien joué mec ça. Masterclass. Ah masterclass. Non, je me suis fait comme dans un effet de foule, je me suis fait marcher dessus et je suis mort. Mm-hmm. Je suis vraiment tombé et je pouvais plus me relever du tout. Salut, hop là.
C'est un peu chiant ça. Oh putain. C'est une putain de blague. Oh il est à chier, c'est très grave. Mais je déteste ce jeu. Ah, après c'est moi qui hint, hein, bien sûr. C'est putain mais je déteste ce jeu, mais d'une puissance. Mais je tiens à dire Xaïd que actuellement. Ok. Oui. Bah là, j'ai fait un classement aussi bien alors que t'étais pas dans la game avant. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je te dis, c'est, tu peux rien faire. Mec, c'est très très chaud. Mais qu'est-ce que... Je ne maîtrise pas, littéralement, c'est de la chance. Ouais, ouais. T'as de la chance ou je rate jamais. Bizarre. Mais normal, t'es arrivé avant moi. Le truc, il s'est calqué sur toi et du coup, moi, je suis allé me faire foutre. Ventilateur d'avion ou peut-être les... Le culbutarbre, je dirais. Tu vois, le truc est affiché depuis 20 secondes. Bah non. Bah peut-être après toi, comme tu joues au Switch, il te l'affiche plus tôt pour charger... Ah ouais, bah oui, c'est sûrement ça. Probablement. Que le Switch sur Switch, je vois tout en avance. Ouais. Parce qu'il doit plus, il met plus de temps à charger, du coup, vu que la Switch est moins puissante. Ah bah là, j'ai fait top 1, mais vous l'avez pas encore vu sur l'écran. Et on n'est pas prêt de le voir, si tu veux, à mon avis. Ouais. Ah mais c'est vraiment en avance, quoi. Mais putain de... Oh non, je vais devoir attendre les nulos. J'ai niqué Buzz l'éclair. Bravo. Mais putain, l'alien de... Ah merde. Ça me fait repasser derrière... Non, quand même pas. Bizarre, Mister JD. Bizarre. Petit dab. Allez, non. Ok. Bon, moi, de toute façon, je m'en fous, hein. T'as hint la première, donc après, ça vaut plus rien. Ah, t'as hint la deuxième, donc... Ça sert à rien, enfin, de faire gold, du coup, maintenant. Ouais, merci. Bon. Vas-y, tu veux que je prenne la prochaine? Vas-y. Attends, mais laisse-moi réfléchir deux secondes. Hein. Soit les rhinos. Soit... Ah, putain, j'hésite. Attends, ça c'était saison 2. Et avant, on a fait quoi? On a fait quoi, celle d'avant? Tundra. Ouais, je dirais fruit plus fruit égale fruit, alors. Ah ouais. C'est les... Non, c'est fruit plus fruit égale fruit, ok. C'était le moins probable des deux, mais... Allez. Alors, il y a un coco et deux dragons. What the fuck, il y a deux dragons, ils sont où, mec? Je les vois pas. Ouais. Il y a 4 foires.
et 2 dragons. Et une étoile. Merde, merde. Merde, c'était quoi? Trois cocos, deux dragons... Un durian. Ouais. Ok, il a l'air chiant celui qui est grave. Ouais, il a l'air chiant. Non, c'était pas moi, le mec à côté de nous, qui était entre nous deux, il s'appelle... Attends... Tout... Moi, chez moi, il est en haut à gauche, il s'appelle Saelta Fulminevent. Ah, il grabait, ouais. Bah, oui. Il a passé toute la game en grab. Oh putain, bon, bah, il pourra pas grab sur celle-là. Je pense que ça va être le jeu de dessin. Non, je pense pas, mec. Ah si. Je pense que si. Ok. Désolé, moi je vois le truc un peu en retard. Attention, ça va être un carré, donc tu tournes bien dans non, le sens du aiguilles. Non, c'est pas un carré, c'est pas un carré. C'est un carré, mais avec un truc au milieu, quoi. Oui, bon, voilà. C'est pas pareil. Je fais le milieu. Alors, vas-y. Je fais le milieu aussi. Ah, merde. Je vais en bas. Faire la case qui manque. Merde. Je vais essayer le milieu. Ah putain. La case là-bas. Là. Le côté. Hein? Ah, attends, c'est bon, je vois. Non. Il manque quoi? Il manque plein de trucs là, non? La case d'en haut. Ça, ouais. Ouais. Mais c'est la croix nazie ou je suis taré? Enfin, du tout, mais t'es... Oui, t'es taré. Mais non, 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 mais c'est pas... Non, c'est pas la croix gammée, mais c'est la croix, tu sais, comment elle s'appelle? Il manque le milieu. Comment elle s'appelle, cette croix, là? Bah, je pense que c'est pas... Je pense pas que Fall Guys, ils ont mis... une croix. Je pense pas que Fall Guys, ils ont mis ça, je vais pas te mentir. Oui, mais... ça m'y fait penser. Bizarre. Ça me fait penser à cette croix dans un rond qui est un symbole nazi, ça a vraiment l'air d'être ça. Waouh. On m'a dit la croix occitane, ah ouais. Il pense à la croix celtique. Bon mec, t'es prêt, ça va être un mini-jeu qu'on a jamais fait depuis 1000 ans. Oh putain. Oh, je suis tellement chaud. Vraiment, on va être l'un contre l'autre. Bah non. Bah non. C'est tellement win. Oh, c'est tellement win. Ok. Hop là. Wouah, je me suis fait 3 dead. Oh non! Oh putain. La balle est plus vite que moi, pour ma défense. T'y vas? Attends, mais faut qu'on se sépare en fait. Okay. Pas comme ça, mais on doit. Oh, wow! Oh, vas-y. T'es tellement low! Il a dit je suis trop chaud, hein, on rappelle.
Saute. What? On a envie. Non. Ah, il touche le sol, putain, vite. Oh merde. Oh, j'ai fait un. Si, c'est j'ai. Ah, ils ont. On a perdu. Oui. Non, c'est bon. Non. Oh, c'est dégueulasse, c'était win. Non. Si. Bah non, pourquoi c'était win? Bah la balle elle est tombée là. Bah oui, mais bon, c'était après le timer. Oui, mais c'était win. Tu t'arrêtes là du coup? Bon, non, j'en fais une dernière. Ok. Putain, Mr. J. Ince là. Mais non, c'est trop grave, c'est trop grave. J'avais la balle et Mr. JD la renvoie dans notre camp. C'est trop trop grave. Mais je pense qu'en vrai, juste c'était pas jouable au niveau de. Du ping en vrai. Regarde, il y a tellement de ping, il est toujours en spec. Putain, vas-y, il y a le volet une fois tous les 10 ans là. Mm. Faut être meilleur, mec. Il y a Mister GD qui fait un compte son camp. Mais pas du tout, mais alors vraiment pas. Dégoûté. Il a mis 10 comptes son camp. Injouable. Ouais. Vas-y, mec, tu sais quoi, je te dis plus, je te prono plus les maps puisque c'est comme ça. Juste ah ouais, celle-là, ouais. Ce sera l'équilibrisme, mais après, je dis plus rien. Ok. Allez. Top 1, top 2? Ouais. Je crois c'est que toi qui arrives, hein. Ça vaut mieux le coup de passer par le checkpoint ou de passer par le milieu, là, vu où on commence? What the... What? Qu'est-ce qui vient de se passer? Ah, moi, je suis tombé, hein. Bah, attends, le truc... C'était une cymbale. Mmh. Je dirais qu'il y a un mec qui a mis un coup de baguette dans une cymbale. What merde, the fuck? Il y avait un truc, là. Bon, je vais essayer de remonter, mais ça va pas être facile. Oh putain. Il y a un tempo au milieu. Oh non. Dommage. Oh, je peux pas passer. Non, vas-y, je suis softlock. C'est trop. Ah bah, c'est pas là qu'on va faire top 1 encore. Hein. Mais vas-y, mais pourquoi tous les disques qui sont défavorables là? Ah ouais, Mister JD. Mais mec, au début je suis tombé. Alors, parce que juste que j'ai commencé à la pire place. Mais quoi, il y en a une qui fait des saltos, t'as vu? Tu vois ce que je vois là? What? Mais mec, le jeu il est bugué de fou. What? Non mais mec, le jeu il est full bouteille, c'est pas ma faute. C'est quoi ça? What? Le truc il tombe comme un marteau, wesh. Il a arrêté de tourner? Oui. C'est quoi cette... Mec, tu vois que c'était bugué. Enfin, oh là là. Y'a quelqu'un qui a utilisé un cheat pour faire du poids, c'est obligé. Mais elles étaient trop bizarres les plateformes, elles ont fait des coups de baguette. Mais quelqu'un a déjà vu ça dans le jeu?
Oh mon dieu. Oh, je suis explosé. Jamais. Ok. Bizarre quand même. Moi je pense qu'il y a un cheater, mais bon. Je pense qu'il s'appelle Exaïd. Oh. C'est parce que t'as perdu quand même. Ah mec, au début je pouvais rien faire. Mais c'est trop bizarre. Enfin, vraiment le truc il s'est penché genre comme une balance rectangle, mais... Ouais. C'est pas une balance rectangle en fait. Putain, il lui donne 1100 heures de jeu. Ah ouais. Hop là! Pas mal. Mais bon, si le jeu il était pas full buggé aussi. Oh mec, tu veux le prono du siècle là pour la manche d'après? Ouais, vas-y. Ça va être. La gélatine de la nouvelle saison là. Ah ouais. C'est la gélatine qui monte là. Mmh. Je vois, je vois. Ou alors la toupie infernale. Ouais, j'avoue, c'est possible. Mmh. Entre les deux en tout cas. Mmh. C'est la toupie infernale. J'ai bien fait de faire une deuxième proposition. Mmh. Mmh. Oui, oui. Est-ce que ça tourne ou pas? Ouais, ça tourne. Imagine, en fait, c'est un bug quand ça tourne pas. Non, la première version, elle était comme ça. Ah, putain de... Toujours les timings les plus catastrophiques de mon côté. Mais quoi ? Vas-y, juste il y a, j'ai eu une collision avec un autre gars, je pouvais plus bouger. Putain, c'est chiant, j'étais trop bien et j'ai pris de la merde, mauvais timing. J'avais rattrapé le ventilo, je suis dégoûté. Ah bah, c'est plutôt lui qui te rattrape. Ouais, moi j'ai déjà réussi à survivre au ventilo sur cette map. Mais c'est hyper chaud, mais là ce marteau là il est pas mal par exemple. Attends, mais il est juste derrière moi le ventilo ou c'est moi? Non, non, pas du tout. Il est à l'opposé de toi à peu près.
Ok. Ah putain, mais à chaque fois lui. Vous êtes plus que deux. Quoi? What the quoi? What the quoi? Alors mec, je ne me suis pas fait taper, littéralement. Ah. Bon, en l'occurrence, on s'en bat les couilles, mais je ne me suis littéralement pas fait taper dans mon écran. Mmh. Bon. On me dit boîte de fer, bien vu. Oh les pros du saut. A remarqué qu'après la toupie rotative là, c'est toujours les pros du saut. Ouais. Ouais. Ce qui est... Wow. En plus quand c'est les pros du saut qui tournent, du coup c'est la toupie rotative à trois branches. Oui. Et du coup, là, après, du coup, la finale, ce sera la fonte des glaces. Je suis sur la... Regarde, bam. Oui, aussi, j'y arrive. J'ai réussi pendant une seconde. Bon, ça... Bah, moi, j'ai réussi pendant plus qu'une seconde. Ça devient un peu trop dangereux, là. Je vais arrêter de le faire, par contre. Merde. Ah, j'avoue, c'est un peu dans... Il y a trois branches, j'avais zappé. Mec, je suis mort. Non. Je suis pas mort. Oh, Mister JDI. J'avais oublié qu'il y avait trois branches. J'étais focus à la grappe des gens. Quoi? Mais vas-y, quoi? Non, mais par contre, c'est abusé. Bon, toi aussi, visiblement, il y a eu quoi? La hitbox des barres, elle est pas un peu grande par hasard? Bah, ouais, il m'arrivait un truc un peu zarb. On est mort là, non? Bah, apparemment, c'est gagné quand même. Attends, y'a plus personne qui est dans le. Non, bon, bah, écoute. Non mais en vrai c'est simple mais juste j'ai l'impression que les hitbox des barres vertes elles vénèrent. Ah oui non mais oui mais je me suis fait proc une hitbox invisible aussi. Bon. T'es prêt pour la fonte des glaces du coup? Ouais. En vrai, fonte des glaces avec une couche. Non, trois couches mais en fait c'est 93% de chance la fonte des glaces. 5% de chance les hexagones. Enfin si mais je sais plus qu'il y a les hexagones. Et voilà, et 2% le temple perdu. Mec c'est fou les probas. Ouais, putain on a, ça veut dire on est tombé sur le truc qui était le moins probable. Tu vas à droite. De toute façon ça va être la porte de gauche donc je suis pas inquiet. À droite, je vais à gauche. Ok. À droite, à face. Je vais à gauche. Ok, là. Je vais tout droit. Je vais à gauche après. Ok, je vais tout droit. C'est tout droit, je vais tout droit encore. Je vais encore tout droit. Non. Tu vas où? Je vais à droite. Ok. C'est là? Pas à droite. Je vais à droite ensuite. Tout droit ou en bas? C'est en bas. Putain. Bon bah là, à droite forcément. Hein. Ah putain. Je vais à droite ensuite. Je vais tout droit ensuite. Ah j'ai pas réussi à aller putain. C'était les deux. Je vais tout droit. Et ensuite je vais à droite. Bah de toute façon... Il va me niquer. Désolé. T'inquiète. Bon je vais m'arrêter là quand même je pense. Ok. Ça marche. On était pas loin, mais on pouvait rien faire, là, malheureusement. Ah non, tant pis. Eh ouais. Et ben merci en tout cas pour la soirée, c'était cool. De rien, merci pour l'invitation. Et puis bah, bonne soirée, à bientôt. À bientôt. Ciao. Bon les amis, est-ce que je m'arrête là ou est-ce que je fais un petit fruit? En vrai, un petit fruit vite fait. Un petit fruit pour terminer. Avec la musique horrible. Mais vraiment pas longtemps. Hein. Juste histoire de... Hop.
ça arrive, ça arrive. Tac. Objectif, non, deux pastèques, impossible. Ouh, la musique. Ah. Horrible. Je vais rebaisser la musique, je suis désolé. Ça me fait trop péter un câble, vraiment. Ouais. Ah, dommage. Ça m'arrange pas, ce... là, déjà, on est dans la merde, là. Ouais, c'est méga chiant. Hop, on en profite. Ok. C'est pas au petit du tout là ce que j'ai. Vas-y, on va mettre ça là quand même. Ça a pas touché, si ça touche, ok. Vas-y, on spam ici. Ça peut se faire, mais faut jouer vite, quoi. En fait, ce qui est chiant, c'est que tu peux pas placer précisément ton truc dans le jeu des fruits. Oh là là, les cerises, mais stop. Stop, les cerises, on en peut plus. Ah, j'ai fait de la merde de fou, là. Ah, c'est trop, là, le nombre de cerises. Alors, ouais. Tac. J'ai l'impression de... pas avoir beaucoup de chance sur les fruits quand même, mais vas-y. On va attendre, hein. Ah! En vrai. Tellement relaxant ce jeu, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça a touché là ou pas? Oui, oui, ça a touché. Ok, c'est pas si mal, on a juste... truc qui traîne en bas là. Je fais pas plaisir, mais le reste est ok. Oh, la fraise toute seule là, c'est de la merde. Ouais, ça, je sais pas. Je joue trop vite là en vrai. Putain, mais le nombre de cerises, mais pitié! Stop! Ouais, bon, là, la game est perdue. Grosso modo, hein. Petite sauce là.
Ça va être... Ça va être sans langue, très rapidement. Ah, j'ai pas vu ça dépasser. 1365, premier PB. En fait, c'est vrai, c'est les PB du jour. Mais vu que j'ai lancé cette nuit, ça compte comme, comme aujourd'hui. Ce qui est logique en soi, hein, bien sûr. C'est pas grave. On va quand même faire ça. Ici. Ah, ça passe en dessous, ça c'est pas bon, hein. Ça c'est pas bon que ça passe en dessous. Ah merde, j'y ai cru. Bon. Ah merde. Oh si, en vrai, si. Putain, faudrait que ça passe. Et c'est pas passé. C'est pas grave, ça devrait le faire quand même. Voilà. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait après? Oh, forcément. Trop risqué, ça. Ouais, c'était trop risqué. J'aurais pas dû le tenter, en vrai. On perd pas mal en faisant ça. Allez. Bon, on a plein de merde. Ça va être compliqué. Encore une fois. Ah là, je sais pas. De toute façon, en fait, on n'a pas trop le choix. On peut essayer là, mais... Ouais. Oh, les cerises partout. Oh non! Oh, le choke. Oh, je suis à chier, c'est une catastrophe. Cerise partout, pastèque nulle part, effectivement. Très bon résumé de la game. Peut-être pour plus tard, hein, on peut placer ça là, mais bon. Ça part mal cette affaire quand même, hein. Stop les cerises. Ok.
Oh la fraise. Ah ouais. Aucun rapport avec les primes à la session GeoGuessr avec les dingus hier, c'était vraiment super sympa, j'espère que vous en referez. Bon, ça dépend pas de moi, mais oui, c'était très très chouette. Moi, ce sera avec plaisir pour en refaire, en tout cas, évidemment. Ah, putain, c'est tellement perdu. Ouais, bon, on a joué n'importe comment, en vrai. Oh, la game est vraiment catastrophique. La game est triste, hein, vraiment, c'est... Oh, là. Allez, je vais essayer d'en faire une un peu plus clean. Là, j'aurais dû voir que j'allais direct avoir une autre cerise. J'aurais joué différemment. Cela va, le problème c'est d'avoir une cerise et de la mettre à cet endroit là, c'est un problème. C'est chiant là, non mais là c'est... On a la pire escalade possible. En termes de distribution. Ouais, du coup ça... Ouais. Alors, du coup, faut essayer de faire passer ça à ce côté là. Ça ne passe pas évidemment, donc ça, éventuellement. Non, ça passe pas non plus. Ah, c'est la merde, hein, c'est la merde. Ouais, le raisin de l'autre côté, ah ben, pas bien. Pas bien du tout. Oh, j'ai mal appuyé, putain ça m'a fait passer le curseur de l'autre côté, comment je déteste que ça fasse ça. Bon. Ouais, c'est tellement FF. On est qu'au début mais c'est vraiment déjà pas bon du tout. Hein. Ouais. Ça m'a refait le truc. Vas-y, on essaye de faire ça. Ça passe pas, évidemment. Mmh, ouais. Pas fou, ça. Hein. La fraise là, ici. Il y a deux cerises, il y a trois cerises à la suite, ah ouais. Non, elle va tomber ma cerise là, non? Non, pas pour l'instant. J'ai peur qu'elle tombe quand même à un moment. Ouais, là, elle est un peu isolée, en vrai, c'est chiant. On va essayer de pousser le tout, mais ouais, non, ça, suffit, ça passe pas. Hein. Ah, merde. Le jeu n'a pas du tout prévu de nous régaler, évidemment. Ce n'est pas dans ses plans.
Ah. Bon. En soi, là, on n'a pas de petits fruits, mais c'est compliqué quand même. Ah ouais, non, là, c'est chaud. J'essaie de pousser là. Bonne soirée, Augustin. Merci d'être venu. C'est dommage, en soi le setup est pas trop dégueu, mais... Stop les cerises, c'est bon, on a compris. Encore aujourd'hui qu'on va avoir la pastèque, hein, moi je vous le dis. Ok. Bon là maintenant il y a de la merde en bas, mais tant pis hein, on fait avec hein. Il nous faut une cerise, pour une fois. Ce serait vraiment chouette d'avoir une cerise. Maintenant, beaucoup moins. On la prend quand même, évidemment. Putain, par contre. C'est l'enfer, on a tous les fruits à la suite par ordre décroissant. Sauf que la fraise est... Ouais. Ok. Complicado. Ouais, on pourra pas faire des miracles. Ah, quoique. Attendez. Je sais pas comment je dois la jouer. Hein. Là, franchement, je sais pas. De toute façon, il en faut une de chaque côté. Pas trop d'autres possibilités pour l'instant. Bon. Ouais, non, ça la décale pas dans le sens qui m'intéresse, là. On est pas loin, hein, mais... Hélas. Quand ça veut pas. Ouais. Non, désolé. Trop dur. Bon allez, encore une ou deux.
Bon, attends. Allez. Voilà, je pense que c'est bon. Bonne soirée le grand 09, merci d'être venu. Oh la pire situation. En vrai, on peut réparer et ouais, mais ouais, il fallait que... Ouais. On peut pas réparer. Oh là là, mais vas-y, je suis à chier, c'est grave. Hein. Du coup, là, la fraise... est-elle condamnée à nous faire chier? J'en sais rien, je dirais que non pour l'instant. Ça nous arrange quand même pas des masses, hein. Ouais, c'est pas très grave. Ah, c'est grave. C'est grave. Ah ouais. Oh là là, je suis low. Merde, je suis allé un peu tard peut-être. Ah, terrible. Oui, en soi, oui, on peut faire comme ça, mais putain, je pensais que ça allait toucher. Pourquoi ça a touché celui de gauche? Ça n'a pas de sens. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, tant pis là, mais en fait... Non mais ouais, je suis obligé de faire ça. Hein. C'était tellement pas prévu ça par contre. Oh la cerise qui est allée se glisser en dessous.
Faut profiter de la situation, genre... Ah merde. Ouais, le problème c'est... Ouais... Ok, ça se rapproche. C'est ce qu'on cherchait. Donc peut-être maintenant, pousser des trucs ici juste pour être sûr que ça rebouche un peu, entre guillemets. C'est pas fou, hein. Merci Bretry pour le raid, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon live. Merci beaucoup. J'ai joué tôt cette cerise, mais... Ouais, non, c'est bon. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire la course, on la gagne jamais cette course. Ah, et puis là en plus c'est... C'est un peu dommage en vrai. Non mais là j'ai fait des choix qui sont désastreux, non? Ah c'est bon. On est à 2050 en points. Ah, je vais quand même la jouer ici. Hein. Tac, 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 tac. Je peux continuer à construire là. Merde. Chiant. Hein. Tiendra pas là si je mets une cerise ici. Ouais, non. Merci Pimmers pour les 1 an d'abonnement. Merci beaucoup pour ton soutien depuis 1 an. Merci, merci, merci. On fera pas des dingues, hein.
Oh la cerise! Oh la cerise! Ça donne envie de s'arrêter là, un truc pareil, hein. On a fait le PB journalier, c'est pas mal, hein. On en dit quoi? On en dit stop? Ah bref, vas-y, je vais m'arrêter là. C'est bon, on a eu la pastèque, j'avoue, on en profite, on termine sur une pastèque, c'est très bien. Allez. Bon les amis. Tac, tac, tac. On en diffère, très bien vu. Les amis, je sais pas quand c'est que je restreamerai, peut-être pas demain soir. Demain soir, il y a moyen que je stream pas en vrai. Je dois travailler sur pas mal de trucs. Donc en vrai... peut-être rendez-vous vendredi plutôt. Pam 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 balam. Je cherche quelqu'un chez qui vous envoyer. Moi, je vais vous envoyer chez Red, tiens. Je vais vous envoyer chez Red. Et puis, bah, je vous dis rendez-vous vendredi probablement. Merci de m'avoir suivi ce soir. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, que vous vous êtes bien amusé. Et puis, ben, prenez soin de vous, bien sûr. Bonne nuit. Et puis, à vendredi, très probablement. De gros bisous. Ciao!